Bonjour, en ce vendredi 13 décembre, nous allons méditer avec l'évangile qui nous est proposé pour la deuxième semaine du temps de l'Avent. Esprit qui souffle en un soupir à notre esprit le nom du Père, viens rassembler tous nos désirs. Fais-les monter en un faisceau qui soit réponse à la lumière, la parole du jour nouveau. La parole du jour nouveau se trouve dans l'évangile selon saint Matthieu. Nous sommes au chapitre 11, les versets 16 à 19. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : à qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant : nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne nous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. L'évangile de ce jour nous rappelle que la grâce est toujours une surprise. Et ce temps de l'Avent va nous le montrer particulièrement. Comme nous l'avons évoqué en début de semaine, la Vierge Marie a été profondément surprise. Certes, elle menait une vie sainte, une vie dans la prière, mais elle a été surprise par l'annonce de l'ange. Jean le Baptiste, lui aussi, a été profondément surpris par la venue de Jésus. En effet, il était sur le bord du Jourdain. Et sur le bord du Jourdain, il annonçait le temps de la colère de Dieu, le temps du jugement. Or, ce qui est venu, c'est le temps de la douce miséricorde de Dieu. Or, la grandeur de Jean le Baptiste, c'est qu'il se pose la question, même lorsqu'il sera en prison, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais il va être disponible au travail de l'esprit, au travail de la grâce, et il va savoir changer profondément de vie. D'un autre côté, cet évangile fait référence à beaucoup de contemporains de Jésus et en particulier aux pharisiens. Les pharisiens sont des hommes profondément religieux. Ils cherchent à faire d'une certaine façon la volonté de Dieu en toutes choses. Mais ils n'ont pas cette disponibilité au travail de l'esprit, au travail de la grâce. C'est-à-dire que lorsque Jean le Baptiste les appelle profondément à vivre un moment de pénitence pour accueillir le Fils de Dieu, ils ne le veulent pas. Et quand le Christ est là, qui leur annonce le temps de la grâce et de la miséricorde, ils ne veulent pas. Ils campent sur leur position. Et nous savons que finalement, le grand obstacle que rencontrent les pharisiens dans leur vie spirituelle, c'est qu'ils sont dans l'immobilisme, tournés vers le passé. Notre père Abraham nous a dit, il y a écrit dans la loi de Moïse, ils refusent de se laisser transformer, ils refusent de changer. Or, ne voilà-t-il pas qu'arrive maintenant le temps de l'Avent, ce temps de Noël, qui doit obligatoirement être pour nous un temps de renouveau, un temps de changement. Je dois regarder ma vie. N'est-elle pas encombrée par tant de choses dont j'ai essayé de parler en début de semaine? Est-ce que j'accepte véritablement le chemin de simplicité, le chemin de la pauvreté?
Ne serait-il pas temps, dans ma vie, quel que soit mon âge et ma situation, de changer les choses et d'être enfin disponible au travail de l'esprit? Est-ce que je suis comme ces gamins qui sont sur une place et on m'appelle à la conversion et je ne veux pas changer parce que je suis bien tel que je suis? Oui, la grâce est toujours une surprise et il nous faut être toujours disponible au travail de la grâce et au travail de l'esprit pour changer, comme l'a fait Jean-Baptiste en particulier, notre façon de vivre, notre façon de croire et de rentrer dans une foi qui est toujours plus profonde, toujours plus unie au Christ. Alors, le Christ fait référence à la sagesse de Dieu. La sagesse est très présente dans le monde méditerranéen, en particulier dans les cultures autour d'Israël, en Égypte, et puis en Mésopotamie. Le propre de ces sagesses, et en particulier de la sagesse égyptienne, qui est comme représentée, symbolisée à travers une petite déesse, Mahat, c'est l'immobilisme. Rien ne doit changer. Et la petite déesse Mahat porte sur sa tête une plume. Il ne faut rien changer, sinon l'équilibre du monde sera bouleversé. Au contraire, la sagesse biblique est tout à fait différente. Ce qui fait la grandeur du sage, c'est qu'il ne cesse pas d'être transformé, d'être disponible au travail de l'esprit. Il ne reste pas dans un formalisme et dans un immobilisme. Le sage est celui qui se convertit sans cesse et change en permanence sa manière de vivre pour être davantage plus près du Christ. Alors oui, peut-être avons-nous pris depuis quelques années de bonnes habitudes et remercions Dieu, mais est-ce que je ne peux pas faire davantage? Est-ce que Dieu aujourd'hui ne m'appelle pas à une autre vie, plus profonde, plus proche de lui, une vie qui réponde davantage aux appels de notre temps? Est-ce que dans ce monde qui devient de plus en plus déchristianisé, je ne suis pas appelé enfin à annoncer l'Évangile autour de moi et d'une façon plus spontanée, plus naturelle que ce que je n'osais le faire jusqu'à présent? Oui, cette fête de Noël est pour nous un temps extrêmement important. Nous sommes appelés à être disponibles au travail de l'esprit, au travail de la grâce. Ne restons pas comme ces enfants qui, sur une place, refusent de participer au jeu et de changer d'activité. Puissions-nous accueillir cette grâce et cette joie. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse.